Et nous, ici, notre territoire ici, c'est Gaspeg, ça veut dire la fin des terres. Gaspeg et Wagé aussi, c'est la septième, la plus grosse province de la nation Mi'kmaq. Puis Gaspeg et Wagé, ça veut dire la dernière terre, the last land. Donc, c'est ici qu'on était établi en dernier. Donc, la glaciation s'est retirée vers 11 000 ans, fait que c'était la dernière place. Donc, nous, notre territoire ancestral, c'est la Gaspésie. Notre territoire, il allait jusqu'à Colivie, la rive sud de Québec. Puis aussi, on est au nord de Nouveau-Brunswick, aussi de côté ouest de Terre-Neuve, aussi incluant Anticosti. Ça, c'est Gaspégéwagé. Puis aussi, Mi'kma'ki, c'est notre territoire au complet. Donc, toute la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, c'est le Prince-Édouard, Cap-Breton. Puis aussi, il y avait une partie de Maine aussi qui comprenait notre territoire. Les semi-nomades, donc, c'est comme moi, à côté de ma famille, Arguimont, on était à Pabos Chandler dans ce coin-là, puis c'est comme les Jeunottes qui étaient à Port-Daniel. Fait que depuis tout le temps, on descendait. C'était notre lieu de pêche aussi, avec les trois rivières à saumon ici à Gaspeg. Donc, on était ici pour la pêche, fait qu'on pouvait passer l'été ici avant. Mais on s'occupait de tout le territoire. Bien, on pêchait le saumon, effectivement, le saumon pour survivre tout l'hiver avec nos réserves de saumon fumé, de la truite, le maquereau, le morue. On chassait des mammifères marins, le phoque, aussi le petit rocal, aussi on pouvait avoir la capacité. Puis aussi, on partait de Gaspeg, de Baie-des-Chaleurs, le Cap-Breton, puis on allait se rejoindre aux îles de Madeleine pour chasser le phoque. Fait qu'on partait dans nos grands canaux d'Écosse de boulot. Environ 40-45 pieds de long, une trentaine d'hommes. Fait que, quand les réserves commençaient à être le printemps, donc on pouvait aller chercher la nourriture, le gras qui est important pour nous autres. Les premiers Québécois, c'était des Gaspésiens. On a retrouvé des vestiges que ces gens-là ont laissés il y a approximativement 10 000 ans. Des vestiges comme cette pointe de flèche, ou de lance plutôt. Le Canada a 150 ans. Jean Cartier est arrivé, ça fait 500 ans. Jésus-Christ, s'il est parmi nous, ça fait un peu plus de 2000 ans. Les grandes pyramides d'Égypte ont 4500 ans. Eh bien, ce morceau de hachette, il y a deux fois l'âge des grandes pyramides d'Égypte, plus 1000 ans, et il a été retrouvé en Gaspésie, en Haute-Gaspésie. Mais on sait que les Indiens Plano, on a retrouvé de leurs traces entre la Haute-Gaspésie et la pointe de la péninsule gaspésienne. Il y a en Europe une course à l'espace, mais à l'espace maritime, qui se fait entre l'Espagne, le Portugal, la France et l'Angleterre, les quatre puissances de l'Europe à l'époque. L'Espagne, le Portugal se sont essentiellement partagés la partie sud du continent nord-américain. Mais attention, on n'en parle pas beaucoup, mais l'Espagne est déjà rendue dans le golfe Saint-Laurent via les pêcheurs basques. Et les pêcheurs basques espagnols sont déjà dans le territoire quand Jacques Cartier se présente. Cartier a un objectif pour venir en Terre-Neuve. À l'époque, c'est ainsi qu'on disait. Il doit prendre possession des terres qui se trouvent au-delà de la baie des Châteaux. Et les terres qui sont là, ce sont les terres qui sont à l'intérieur du golfe Saint-Laurent, dans le fond. Et baie des Châteaux, c'est le détroit de Belle-Île aujourd'hui. Donc, il se doit de se rendre jusqu'au détroit de Belle-Île et il y va directement depuis la France. Il ne cherche pas.
Quand Cartier a quitté Saint-Malo, on est dans le port de Saint-Malo au mois d'avril 1534, il écoute une messe, il embarque sur son navire. En fait, il a deux navires qui sont amarrés tout près de la Tour Solidor à Saint-Malo, c'est dans le port de mer. Il va traverser l'Atlantique en un temps de 20 jours, qui est un record. Normalement, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Il va prendre possession des terres dans l'étroit de Belle-Île. Ensuite, il va pénétrer à l'intérieur du golfe Saint-Laurent. À partir de ce moment, on sait qu'il entre dans des terres tout à fait nouvelles pour lui, dans une mer tout à fait nouvelle. Il va longer Terre-Neuve, va se rendre en passant par les îles de la Madeleine, va toucher un petit peu la pointe de l'île du Prince-Édouard, revenir par le Nouveau-Brunswick pour arriver le 3 juillet, à l'entrée de la baie des Chaleurs. Soupçonner qu'il y aurait un chemin maritime qui pourrait mener jusqu'aux Indes, lui parle de l'Ouest. Et là, il va décider d'arrêter à Port-Daniel pendant une semaine. Ensuite, il va pénétrer avec des chaloupes jusqu'au fond de la baie des Chaleurs pour s'apercevoir, et j'emploie ces mots, Dolans et Marie, bien attristés, qu'il n'y a pas de passage vers les Indes. Il va revenir, on sait qu'il rencontre deux groupes d'Indiens, un à Carleton et un à Port-Daniel, où les Indiens vont venir le rejoindre pour faire des échanges de fourrures. Les Mi'kmaqs sont très heureux de le rencontrer. Ils ont déjà l'habitude de la présence européenne occasionnelle, notamment les pêcheurs basques qui viennent ici. Mais Cartier, lui, au contraire, Cartier en a très peur, même si certaines gravures d'époque veulent nous dire le contraire. Dans son journal de bord, c'est clair, Cartier en a très peur. Il va continuer son voyage parce qu'à un moment donné, le temps avance et il se dit, bon, c'est bien, je vais m'en aller vers le détroit de Belle-Île, c'est mon chemin d'accès. Et en avançant, en quittant Port-Daniel, malheureusement pour lui, une très grosse tempête, vent contraire, difficulté de voir, et il doit s'arrêter à Cap de Prato. C'est un endroit où on pense et on est pratiquement certain que ce sont des Espagnols qui sont en pêche. Des Basques espagnols. Et il va y passer une nuit pour attendre que la tempête diminue. Semble pas qu'elle diminue, mais il décide de continuer et à contre-vent, il va réussir à avancer jusque vis-à-vis de la baie de Gaspé. Lorsque Cartier entre dans la baie de Gaspé, il fait mauvais, il fait tempête. On sait qu'il est obligé de se réfugier à l'intérieur de la baie, en un endroit où c'est passablement calme. Jacques Cartier est dans la baie de Gaspé pendant 11 jours. Pendant les 10 premiers jours, il ne peut pas s'en aller, il fait mauvais. Le 24 juillet, vers les 10 heures du matin, il va faire une cérémonie au cours de laquelle il va dire qu'il prend possession officiellement devant ses hommes et devant le groupe d'Amérindiens des terres qui se trouvent ici. Et là, ça va créer un problème. Parce que les Indiens sont peut-être pas instruits à la manière des Européens, mais ils sont pas fous non plus. À Gaspé, il y a un autre groupe d'Amérindiens. C'est des Iroquois, des Kwadesh. Ces gens-là sont venus ici comme ils viennent à chaque année faire la pêche. Et ces gens-là ont pour leader, chef, Donnacona. Donnacona, lui, n'a jamais rencontré de Blancs avant Cartier, parce qu'il vient de la région Québec-Montréal, Stadacone-Hochelaga. Ça, c'est la région des Iroquois. Donc, là, c'est une première présence. Et dans le journal de bord de Cartier, on peut lire que Donnacona et ses amis Iroquois ne semblent pas très heureux de voir Cartier planter une croix. On veut échanger, tout le monde veut faire du commerce, on va discuter et s'entendre relativement bien en quelques jours. Cependant, au départ de Cartier, eh bien, le Français va leur jouer un vilain tour. Il va littéralement kidnapper les deux fils de Donnacona, les amener avec lui en France, où ils vont passer un an. Et là, ils vont apprendre le français et revenir comme guide. Ça, c'est le deuxième voyage de Cartier. Il va se rendre donc à Québec, à Montréal. De façon générale, l'histoire est écrite par les vainqueurs.
On dit quelques mots des vaincus, mais souvent pour se glorifier. Juste à aller jeter un coup d'œil sur Internet aujourd'hui et regarder les tableaux, les images qu'on a pu faire de Jacques Cartier, c'en est risible. Cartier apparaît comme celui qui accueille les Amérindiens, alors que ça a été exactement l'inverse. En 1752, il y a un homme qui débarque dans la baie de Gaspé, qui s'appelle Pierre Revol. Et en 1952, il a décidé, ben moi, je viens faire un établissement de pêche que je vais développer. Il s'installe à Gaspé. Il a à son emploi, lui, dit-il, une quarantaine de personnes. Et là, il y a aussi les 300-400 Français qui travaillent aussi à leur propre compte dans la baie de Gaspé, Pointe-Saint-Pierre, Penouille, ou ben non, ici, au centre-ville. C'est tout plein de monde. Et là, c'est un établissement permanent là, qu'on a. Là. En 1755-56, s'est déclenchée une guerre entre la France et l'Angleterre, guerre qui va avoir ses échos en Amérique entre la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France. Et il y a un général bien connu qui s'appelle le général Wolfe, qui, un an avant de se rendre à Québec, a décidé de préparer le voyage qui le mènera jusqu'à Québec, où il entend prendre possession de la colonie et du territoire. Il se rend en 1758 dans la baie de Gaspé, là où Pierre Revol demeure, et il envoie des hommes jusqu'à Miramichi d'un côté ou jusqu'à Mont-Louis de l'autre côté, soit en bateau, soit en marchant le long de la mer, pour capturer le plus de prisonniers que l'on peut, détruire ces établissements-là, de manière à ce que, quand on quittera la baie de Gaspé, ce qui va se produire, vers le 22 septembre 1758, quand les Anglais vont quitter Gaspé, il ne reste plus rien de la présence française sur la côte. En 1759, on va mettre sur pied une expédition qui va le conduire, lui, Wolfe, jusqu'à Québec, où il va évidemment tenter de prendre la ville, et ça va se terminer par une bataille que nous connaissons tous de nom, qui va ne durer que 15 minutes, la bataille des plaines d'Abraham. Il y a 6 bateaux qui arrivent à l'entrée du Saint-Laurent qui ne sont pas capables de passer. Donc, ils vont se réfugier. Je me rappelle, il y a là le Bienfaisant et le Machaut, entre autres, qui vont se réfugier au fond de la rivière, de la baie des Chaleurs, là où il y a la rivière Estigouche. Ils vont rentrer même dans la rivière Estigouche et ils vont laisser échouer de manière à ce que les Anglais puissent ne pas se parvenir avec leurs bateaux jusqu'aux installations françaises. On va mettre des postes de canonnade de chaque côté pour pouvoir les canonner. Et quand les Anglais vont se présenter, bien, il va y avoir une belle petite bataille, là. Qu'on va finir par perdre, malheureusement, quand même. Parce que les Anglais sont très bien équipés, nous, les Français, en tout cas, le sont moins bien. On a très peu de réserves. Et puis finalement, bon, regarde, on va être obligé de se rendre. Parce qu'on va nous dire de nous rendre. En fait, avec le traité de Paris en 1763, le territoire passe officiellement aux mains des Britanniques. Ça fait qu'on a des gens d'un peu partout, mais au bout de la ligne, par plein de hasards dans un sens de l'histoire, c'est les Jerseyais puis les Guernesiais qui vont vraiment se démarquer dans la région, puis particulièrement autour de la figure de Charles Robin. Au cours de la période, si on veut, du régime britannique, les pêcheries gaspésiennes sont dans une grande période de croissance. En fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'elles se développent, elles se structurent, puis elles commencent vraiment à prospérer, puis dans un sens, à exploiter au maximum les anciens marchés qui étaient déjà présents au régime français, mais qui vont être, développés de manière très, très systématique. Puis le fait que les périodes aussi de tension, de guerre, sont un peu derrière nous, tout ça va favoriser le commerce. Et aussi dans un contexte plus large, qui est celui de l'Empire britannique, dans le fond, hein, qui est une très, très grande puissance mondiale, une grande puissance navale, un commerce extrêmement important. Fait que c'est dans ce contexte-là que les pêcheries gaspésiennes là, vont vraiment connaître une explosion.
En fait, c'est pour la ressource, c'est pour la morue, dans le fond, les pêcheries du Nouveau Monde, si on veut, ont une grande, grande importance dans l'histoire de l'Occident. C'est une source, c'est ça, de protéines extrêmement facile, dans le fond. Il y a des grandes, grandes quantités de morue à l'époque. Puis les grandes puissances européennes vont toutes chercher, à un moment ou à un autre, à utiliser les pêcheries du Nouveau Monde, dans le fond. C'est une activité qui est économique, c'est ça, qui est très, très importante. Avec, le changement de métropole, bien, c'est simplement que c'est les Britanniques qui se mettent à mettre la ressource en valeur. Et particulièrement les gens de Jersey, Guernsey, qui font partie du Royaume-Uni, qui sont tout près de la France. Une grande quantité de différentes compagnies jerseyaises, dans le fond, qui dominent le marché, qui sont concurrentes, toutes des entreprises distinctes, mais ils sont toutes dans le même secteur, puis souvent, fonctionnent d'une manière assez rapprochée, avec des liens, des fois, familiaux assez proches. Il y a eu les Basques qui sont venus. Il y a eu les Portugais. La première femme de mon grand-père, c'était une Portugaise. C'est à cause justement de l'industrie des pêches. Alors, il y a plusieurs nationalités qui sont venues ici à cause, justement, de l'abondance de poissons qu'il y avait dans le golfe Saint-Laurent. Et ça, c'était plus important que l'industrie de la fourrure au Québec, au Canada. On parle souvent de l'industrie de la fourrure, puis de Montréal, hein, comme McGill, puis les gens qui étaient dans le commerce de la fourrure. Mais il y avait beaucoup plus d'argent dans le secteur de la morue. Un peu partout, on a des villages de pêcheurs. Dans le fond, il se fait à la fois de la pêche, puis aussi de la transformation, soit de manière familiale ou dans les établissements des grandes compagnies comme les Jean Vrain ou les Hyman à Grande-Grave. Il y a les Fruing aussi qui vont être présents, les Robin. Aussi John Le Boutillier, qui est un personnage très, très important à Gaspé. Puis au cœur de ce système-là, on a le port de Gaspé, qui est un port d'expédition vers les marchés internationaux, en fait, qui fait vraiment partie du grand réseau de commerce. Dans les années 1860, d'environ 300 navires qui pouvaient passer par le port de Gaspé. Fait que donc, les premières images qu'on a du port, constamment, on voit des bateaux. Il y a une grande, grande activité maritime ici. Le port franc s'inscrit dans un contexte plus large où on a des premières tentatives au niveau du gouvernement canadien au niveau du libre-échange, en fait, comme de 1854 à 1866, il y a un traité de réciprocité qui est signé avec les États-Unis, où, justement, on tend à libéraliser les échanges. Ça fait que le port franc s'est inscrit dans ce contexte-là plus global, où on va essayer d'abaisser, finalement, les barrières tarifaires pour essayer de, finalement, susciter le commerce. Dans le cas du port franc de Gaspé, c'est qu'on vient abolir les droits de douane sur les produits qui entrent dans le port. Fait que dans un sens, ça vient booster, en bon français, le commerce dans le port de Gaspé. Et dans tous les ports francs affiliés, en fait, le port franc de Gaspé est un peu, si on veut, la base, mais Passepébiac, Nucarlay, Sept-Îles, beaucoup des ports, si on veut, du golfe du Saint-Laurent, vont être aussi affiliés au port franc de Gaspé, puis ils vont bénéficier des mêmes conditions d'exemption de droits de douane. La morue, en fait, qui est collectée ici dans la région, destinée à l'exportation vers les marchés internationaux, les bateaux des compagnies rapportent des produits de ces endroits-là, des Antilles, du Brésil, Italie, Espagne, Portugal, les îles britanniques. Ouais, exactement. Puis, fait que dans le fond, Gaspé est comme un point de départ ensuite vers ces pays-là. Pour faciliter ces échanges-là à l'international, les pays vont donner des charges à certains marchands de Gaspé ou à des citoyens. Donc, il va y avoir des consulats, en fait. Donc, le consul, par exemple, d'Espagne. L'Espagne est
un marché très, très important pour la morue gaspésienne. Donc, l'Espagne va avoir sur place un représentant pour ses intérêts commerciaux pour faciliter le commerce. Donc, on a 11 consulats à Gaspé pendant cette période-là. Fait que ça vient montrer aussi le caractère international de ce commerce-là à l'époque. Des choses qu'on a oubliées, moi, j'aurais tendance à qualifier cette période-là, le 19e, comme étant la grande époque des pêcheries. De manière globale, l'expérience du traité de réciprocité va s'arrêter en 1866. Puis aussi, le système des ports francs, dont celui de Gaspé, va être aboli. Il y a beaucoup de motifs qui ont été invoqués sur le pourquoi le système des ports francs n'a pas été conservé, en fait. Une des hypothèses étant que dans les négociations préalables à la création de la Confédération canadienne, on aurait voulu favoriser le développement du port de Halifax plutôt que celui de Gaspé. C'est vraiment la faillite des banques de Jersey de 1886 qui marque vraiment une cassure au sens où la compagnie Robin, qui est la plus grande compagnie de la région, en fait, c'est la plus grande compagnie de l'ensemble du golfe du Saint-Laurent, de tout l'est du Canada, qui, elle, va tomber en faillite. Suite à cette grande époque-là de développement, de croissance des pêcheries, on va commencer à percevoir aussi les entreprises de Joseph comme de moins en moins innovatrices, je dirais, de plus en plus conservatrices, puis ils vont continuer avec le même système ensuite pour tout le 20e siècle au complet. William Wakeham est celui qui a terminé le travail de Jacques Cartier. Jacques Cartier a pris possession du territoire qui s'appelle le Canada continental, la partie continentale, que je représente par un rectangle. Mais il existe aussi une partie triangulaire au nord qui s'appelle l'Arctique canadien aujourd'hui, mais cet article, quand on va céder la colonie de Nouvelle-France en 1763, par le traité de Paris, on va céder la partie continentale. Mais la baie d'Hudson et toute la partie du triangle demeure la propriété de Londres. Il y a là des baleines qu'on vient transformer cette baleine-là en huile de baleine. C'est un peu comme le pétrole d'aujourd'hui. Ça se vend une fortune sur le marché. Et là, le Canada dit, oui, mais depuis 1880-87, on est propriétaire, mais les Américains considèrent que c'est à eux autres. Ils disent, c'est notre territoire. Les Danois disent, c'est à nous autres, c'est notre territoire. Les Écossais font de même. Et là, on s'est dit, il faut qu'on en prenne officiellement possession. William Wakeham, résident de Gaspé, qui était depuis plusieurs années représentant du gouvernement dans le golfe Saint-Laurent et qui naviguait sur un bateau qu'on appelle la Canadienne, qui naviguait sur un bateau dans le golfe Saint-Laurent à travers les glaces au printemps ou à l'automne et qui connaissait la navigation. On lui a donné le mandat d'aller prendre possession de l'Arctique canadien au nom du Canada, du Dominion du Canada. Transport au début du 20e siècle, excuse-moi, c'est du transport maritime principalement qui dessert la Gaspésie, qui dessert la péninsule. Les routes sont inexistantes. Le chemin de fer se met en place tranquillement, pas vite. En 1905, les travaux commencent à Gaspé en direction de l'ouest. L'ouest, ça revient tranquillement, mais ça va prendre 1912 avant que vraiment les premiers trains voyagent. C'est une compagnie anglaise qui a décidé de faire une route pour l'immigration sur Gaspé. Fait que éviter le fleuve Saint-Laurent, surtout éviter le fleuve Saint-Laurent, sauver deux jours de traversée pour les paquebots. Les paquebots seraient rentrés à Gaspé, auraient débarqué le passager à Gaspé, mis ça sur le train, puis envoyé ça vers le centre du pays,
c'était le but visé par cette compagnie de navigation et de ferroviaire. Mais le quai de Sedna Beach a été construit justement pour ça. En 1909, c'est absolument fondamental ce qui se passe à l'environnement parce que les ouvriers de la mer, les travailleurs, vont décider de refuser les conditions que leur imposent les compagnies de pêche, qu'on dirait, ou les compagnies qui se spécialisent dans le salé séché. La compagnie Robin, la compagnie Freeing, une autre compagnie anglo-normande comme la Robin. La compagnie Hyman. M. Hyman, c'était un juif qui s'est installé à Gaspé, et là, c'est son fils qui a hérité. À un moindre degré, la compagnie Kennedy aussi. Ces quatre compagnies-là sont arrivées à Ornans, et à la fin août 1909, les compagnies décident de baisser le quintal de morue salée séchée de 5 $ à 3,50 $. Un quintal, c'est 112 livres. Mais 112 livres de morue salée séchée, ça, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est un peu comme si, tout d'un coup, on diminuait ma paye de 30 %. Tu prends ça ou tu n'auras rien du tout. Ça se met drôlement à brasser et on va sortir un certain nombre des représentants des compagnies de leur commerce. Et on les traîne sur la place publique, ainsi de suite. Donc là, il y a tout un brouhaha. Si bien que les représentants des compagnies, les propriétaires des compagnies, vont se plaindre au premier ministre du Québec, Lomer Gouin, à partir de Gaspé. Ça va vite déjà à l'époque, on a le télégramme. Et les militaires vont arriver à Rivière-Ornans et dans les environs, vont faire deux razzias, vont arrêter plus d'une vingtaine de pêcheurs. Les meneurs vont être condamnés à plusieurs mois de prison, notamment William Savage, 11 mois de prison, et Joe Tapp, un autre des meneurs, 9 mois de prison. Début septembre, fin d'août, début septembre, là, le Canada, pour supporter l'Angleterre et la France, parce que c'était quand même deux alliés, et puis ils ont déclaré la guerre, eux autres aussi, à l'Allemagne. Alors, c'est un peu comme ça que le Canada a rentré en guerre là, en 1914. Là. Pour se diriger vers l'Angleterre, les contingents de militaires, ils voulaient avoir une classe qui pouvait se rassembler pour pouvoir se préparer pour traverser vers l'Angleterre. Et puis c'est comme ça qu'ils ont choisi la baie de Gaspé. Il y avait 31 bateaux de transport de troupes. Un qui venait de Terre-Neuve, ça faisait 32, ce qui était un bateau de transport aussi. Et 4 corvettes qui venaient de, pour protéger des corvettes de guerre. Là. Et puis, il y avait 33 000 soldats. Et puis, 7 600 chevaux, parce qu'il y avait la cavalerie encore, la Première Guerre mondiale. Là. Ils ont été ici à Gaspé quand même 3-4 jours. Et ils ont quitté, je pense que c'était le matin du 4 octobre. 1914. Alors, c'était la plus grande armada là, canadienne de l'histoire. Il n'y avait pas eu de grand rassemblement de même vers l'Angleterre à l'époque, depuis Guillaume le Conquérant, en 1066. Là. En 1929, il faut dire que ça faisait 11 ans que la guerre était finie.
Il y en a beaucoup qui avaient trouvé des emplois parce qu'il y avait beaucoup de scieries à l'époque. Hein. Ça employait en 2000, 2500 personnes sur une population, Gaspé même, de 2000 à peu près. Même pas, il y avait peut-être 1800 là. Il y avait des grosses compagnies, puis ces compagnies-là ont fermé. Un an après, là, en 1930, ils ont toutes fermé. Là. Fait que là, les gens se sont ramassés avec rien. Comme je disais, ceux qui avaient un lopin de terre qu'ils pouvaient cultiver, garder des animaux, et ça, ils sont bien réchappés. Là. C'est dur parce qu'après que les scieries ont fermé, il y avait moins de transport de navires aussi. Parce que ce bois-là, ils transportaient surtout en Angleterre à l'époque. Hein. Il y en avait beaucoup qui ont parti, mais c'était pas mis en ville. Les compagnies qui ont réussi à éviter la faillite, qui se sont réorganisées, ont continué l'exploitation jusqu'au... La vraie compétition est venue à peu près en 1922. À la création des premières coopératives. C'est parce que les coopératives, c'était l'affaire du clergé. Il y avait Mgr Ross ici, il y avait les curés des paroisses qui prêchaient pour la coopération. C'est la confiance qu'il y avait dans le clergé qui a fait que les premières initiatives ont pu réussir. Après 29-30, ça a été la crise. Les compagnies, les coopératives ont fait faillite. Et il y a eu une espèce de renaissance, c'est revenu les coopératives. Le clergé n'a pas lâché. Et ils ont décidé, à un moment donné, quand ils sont venus assez nombreuses, de s'affilier en fédération. Au lieu d'envoyer, par exemple, 10 coopératives négocier sur le marché, alors il y en avait un seul qui allait négocier. Donc, ça diminuait le nombre de déplacements, ça avait pour effet d'uniformiser les prix, d'offrir plus de volume aussi sur les marchés, de devenir plus intéressant. Alors, ça a été une excellente initiative à l'époque. Encore là, c'est l'Allemagne qui avait attaqué à Pologne. Et puis, vraiment, la première bataille a eu lieu là. Mais après ça, bien, l'Allemagne, Hitler avait des grandes idées. Hein. Fait qu'il voulait tout conquérir. Le Canada, on déclarait la guerre aussi, je pense, au tout début de septembre. Je pense qu'une semaine après, il y avait déjà un groupe de Gaspésiens, de Gaspé même, qui s'avait enrôlé. Il y avait déjà une trentaine, 35, je pense, qui s'est enrôlé. Il cherchait un moyen pour mettre, au cas qu'il était attaqué, mettre sa flotte à l'abri. Churchill, bien, il dit, on va aller à Gaspé, puis on va en envoyer une partie à Halifax, puis l'autre partie à Gaspé par rapport du port de mer. À ce moment-là, il pouvait protéger avec des navires armés protéger sa flotte, il y a l'idée. À la fin de 1940, construire une base navale, ils avaient estimé ça, c'était un an de travail. Là, parce qu'il y avait des avions, ça prenait des hangars d'avions, ça prenait des baraques pour les soldats. Ils calculaient entre 2000 et 2500. Et puis des navires aussi, refaire les quais, tout ça. La base navale, bien, ça comprenait, comme je disais tout à l'heure, des avions, des hydravions qui pouvaient atterrir sur l'eau, sur la baie. Alors, c'était des hydravions. Puis là, ici, bien, là, il y avait plusieurs bateaux. Ce qu'ils appelaient des fermeurs, je pense qu'il y en avait une dizaine au début. Les autres, il y avait des bombes anti-sous-marines. Il y avait des corvettes aussi qui faisaient l'escorte des bateaux de marchandises vers l'Angleterre. Il y avait une couple de destroyers aussi.
Au printemps 1941, de mettre un filet en travers de la baie au cas qui, sous-marinement, aurait décidé de rentrer. Ils ont construit des bunkers. Ils ont fortifié Alderman, sur le bord de la falaise aussi. Il y avait des baraquements là aussi. Et les autres, ils avaient installé surtout des mitrailleuses tout le long de la falaise. Et à Penaud, il y avait deux gros canons qui sont encore là aujourd'hui. Le premier sous-marin est arrivé, je pense que c'était le 10 ou le 11 mai 1942. Le même soir, ils ont coulé deux navires dans le coin de Cloridum-Saint-Yvon. Et après, ils ont coulé un peu partout, disons, un peu du long, dans le golfe. Allé jusqu'à Cap-Charles, ils ont coulé à Grande-Vallée. Après ça, ici au large, mais ça a été plutôt en septembre. La première fois qu'ils ont vu, vraiment un sous-marin, c'était à Cap Bonhomie. Ils allaient chercher leur boîte, les autres, les appâts, le matin pour la morue. Tous les matins, ils allaient là, un groupe, deux, trois pêcheurs. Là, à un moment donné, ils ont vu un remous d'eau. Ils trouvaient ça drôle. Ils ont dit, c'est quoi ça? Puis là, le sous-marin, ils arrivaient d'en face. Fait que là, ils se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Où ça te sort, un bateau qui sort de l'eau? Pour les autres, c'est un bateau. Là. Là, ils sont aperçus que les militaires là, allemands, ils sont arrivés à la course, puis ils ont enlevé la bâche, c'était la toile. Puis là, ils visaient ça vers les autres. Là, ils ont dit, ils visent sur nous autres, là. C'est quoi qui va arriver? Puis là, à un moment donné, ils ont eu des ordres comme de raison de ne pas tirer, afin qu'ils ont submergé de nouveau. Le gardien de fort, Cap des Rosiers, a communiqué avec la base suite. Il y avait vraiment du torpillage qui se faisait. Fait que là, ils sont arrivés avec des avions, avec des bombes sous-marines. Et puis, c'est là qu'ils ont eu, comme ils disent, on était vraiment dans un théâtre de guerre. Les avions qui venaient, ils lâchaient des bombes sous-marines. Ça faisait explosion aussi. Puis, ces bateaux-là, fait que là, ils ont dit, faut s'en aller à terre, mais ils ramassent ces gens-là. Tout le long, ils ont ramassé des rescapés. Il y en avait qui s'avaient installés sur des radeaux, là, des radeaux d'urgence. Et puis, il y en a plusieurs qui sont morts. Là. C'était la même journée, là. Ce sous-marin-là qui avait monté dans le havre, là. Et puis, là, il s'apprêtait à s'en aller pêcher. Il avait ramassé les appâts. Puis là, à un moment donné, il y a une torpille qui a manqué le bateau, puis il a frappé le cap, à Cap Bonhomie. Ça fait que là, ils se sont dit, mon Dieu, ils font des travaux, c'est drôle, on n'a pas entendu parler de ça. Ils font du dynamitage, là. Mais c'était pas ça, c'était une torpille. Le couvre-feu à tous les soirs, ça a commencé en 1942, commencé en mai 1942. Les premiers torpillages ont eu lieu les premiers jours de mai, en 1942. Ça, il fallait boucher toutes les fenêtres. Il y avait des stores opaques pour pas qu'il y ait aucune lumière qui était filtrée. Et puis, là, il y avait un couvre-feu, il y avait une sirène. Aussitôt qu'il commençait à faire brun un peu, là, à brunard, là, la sirène criait, puis là, tu n'avais plus le droit d'être sur la route. Là. Ça a duré tout l'été 1942. Début 43 aussi. L'économie était meilleure. Pour ça, là, la guerre a fait du bien. Là. Il n'y a pas de doute. Là. Mais il y avait d'autres conséquences, par exemple. C'est sûr que tous les gens qui sont morts à la guerre aussi, là, il y en a plusieurs. Juste Gaspé même, la Deuxième Guerre, il y en a 56 ou 57 de jeunes Gaspésiens qui sont morts. Plus la Deuxième qu'à la Première. Là.
l'avenue de la réfrigération, le transport réfrigéré a permis d'envoyer du filet frais sur le marché, d'envoyer des produits congelés sur le marché. Et Pêcheurs Unis a construit sa première usine de grande taille. Pour nous, c'était une usine de grande taille. À Sandy Beach, c'était en 1954. Et cette entreprise-là était vouée à la fabrication de filets, surtout du filet congelé. Je faisais un peu de frais, mais surtout du filet congelé. Avec une usine à côté pour la farine de poisson, le fish meal. Donc, il n'y avait plus de déchets qui étaient renvoyés massivement à la mer ou dans les embouchures de rivières parce que le poisson était traité pour faire de la farine, qui est un additif dans les moulets animaux. L'âge d'or des pêches, c'était les années 40-50. Il y a eu l'École des pêches de Grande-Rivière. Il y avait ça, c'est pour former des techniciens. L'École supérieure des pêches à la Pocatière, qui était la faculté de pêcherie de l'Université Laval. À côté, il y avait la faculté d'agriculture, qui, elle, a continué. La faculté de pêcherie, elle a fermé. Il y a eu l'implantation des chantiers maritimes, la modernisation des bateaux. Station de biologie marine à Grande-Rivière, il y avait des sous-stations qui opéraient l'été sur la côte nord aux îles de la Madeleine. Il s'est écrit 17 thèses de doctorat à Grande-Rivière. Monseigneur Ross va travailler à l'implantation d'un séminaire à Gaspé. Séminaire qui existe aujourd'hui sous le nom Collège de Gaspé. Ce séminaire est important pour plusieurs raisons. Une des raisons, par exemple, c'est qu'il va avoir du personnel qui va travailler pour ce séminaire. Et donc, ces ouvriers, ces hommes de tâche, ces enseignants qui vont travailler aussi, vont constituer un personnel assez nombreux avec des familles qui vont demeurer dans Gaspé. Donc, ça permet à Gaspé de se franciser, parce qu'il faut avoir en tête que dans les années 20, le Gaspé est une ville anglophone, d'ailleurs, qui va demeurer fortement anglophone jusque dans les années 70. Et le séminaire de Gaspé devait fermer ses portes en 1968, et le gouvernement de l'Union nationale de l'époque avait annoncé qu'il n'y aurait pas de cégep en Gaspésie et que les jeunes de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, de même que de Matane, devraient aller étudier au gros cégep de Rimouski. Il y a eu un véritable tollé. Les gens se sont pratiquement rebellés. Et le ministère a été obligé de plier. Et finalement, on a accordé un cégep à Gaspé. Et comme à Gaspé, on avait bien brassé puis qu'on avait un cégep, bien, les gens de Matane ont fait la même chose, puis ils en ont eu un, eux autres aussi, un an plus tard. Au début des années 1960, là, le gouvernement fédéral a de l'argent. On est dans une période économique faste. Donc, le gouvernement fédéral a tellement d'argent qu'il ne sait plus quoi faire avec. Si bien qu'il va créer en 1961 la loi ARDA, Aménagement régional et développement agricole. Cette loi-là, elle met à la disposition des provinces des millions et des millions de dollars à condition que les provinces fassent un plan. Pour ce faire, chez nous, on va focusser beaucoup sur le tourisme. Et le moteur du tourisme qu'on va choisir, c'est un parc national. Ça, c'est l'entente de 1968 entre le provincial et le fédéral. À l'époque, tout le monde est d'accord avec ça. Le 11 février 1970, par un arrêté en conseil à Québec, là, on va tracer le pourtour du parc Fleurion. C'est là que, pour la première fois, on décide qu'il y a des gens qui vont être expropriés. Rendu en plein milieu de l'été, au mois de juillet et au mois d'août 1970,
qu'on va envoyer des huissiers chez les gens à Fort-Lyon, leur signifiant qu'ils ne sont plus chez eux, qu'ils doivent quitter les lieux d'ici quelques mois. Les Gaspésiens sont peut-être sceptiques un peu, mais quand on vous promet 3000 emplois dans le parc Fort-Lyon, on peut espérer 1000. On dit des fois, ils exagèrent un petit peu. Grosso modo, là, ce que ça va donner avec les emplois saisonniers l'été, c'est pas 140 emplois. Donc, entre 3000 puis 140, on est tombé de haut. On a dit à tous ceux qu'on voulait forcer à quitter le territoire que s'ils ne signaient pas et s'ils n'acceptaient pas, ils auraient rien. La majorité a donc accepté de s'en aller, au départ ne sachant même pas combien ils auraient comme compensation. Ça s'est multiplié le nombre d'unités de pêche. Il y a des grands bateaux qui ont pêché dans le golfe Saint-Laurent. Moi, je pense qu'il y a eu de la surpêche. Je pense que le grand responsable, c'est la surpêche. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que les stocks de morue diminuaient de beaucoup. Alors, il y a eu le moratoire sur les pêches. Puis, ça a été assez drastique. Hein? Ça a été coupé. Puis, on vit encore là-dessus, le moratoire sur les pêches. Le moratoire sur la morue, là, ça a venu anéantir les approvisionnements dans toutes les usines qui faisaient encore du salé séché. Et le gros de la main-d'œuvre, c'était dans les usines qui faisaient du salé séché. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre dans ces usines-là. Et heureusement, pendant cette même période-là, qu'il y a eu le développement des crustacés. Alors, la pêche à la crevette, ça a commencé. La pêche au crabe, ça a commencé. C'était pas nécessairement des pêches qui étaient payantes à l'époque. Parce que les premiers détenteurs de permis de crabe ne sont plus ceux qui étaient là. Ils ont abandonné. Moi, je me souviens, le crabe se payait 12 cents la livre, puis les gens se battaient pour avoir 12 cents. Et le marché était, plus ou moins bon. Mais quoi que ça a donné beaucoup de travail là, dans les usines à crabes, parce qu'ils faisaient l'extraction de la chair dans le temps. Ils faisaient des blocs de crabes. Ils extraient de la chair des pattes, des épaules, des crabes. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait. Mais là, aujourd'hui, ils le font en section. Il y a beaucoup moins de travail. Ça a coupé drastiquement la population des travailleurs. Et vous avez eu la crevette. Et l'homard aujourd'hui, depuis quelques années, qui est quand même très payant, puis les captures sont intéressantes. On va de record en record à chaque année. Comme c'est le cas de la pêche à la crevette, puis aujourd'hui, l'homard, hein, les permis sont contingentés. Et qui a le moyen de payer aujourd'hui 10 millions pour un permis de crabe? C'est un pêcheur de crabe. C'est la même chose. On peut faire le même raisonnement pour la crevette, puis à peu près le même raisonnement pour le homard. Donc, de plus en plus, on s'achemine vers trois ressources très importantes qui vont être de plus en plus dans les mains de groupes restreints. Donc, la ressource marine s'en va dans les mains d'un petit groupe restreint. Pour la morue, ce n'est pas encore ouvert. On parle du sébaste. Mais toutes les usines qu'il y avait au Québec, là, le sébaste, ils ne sont pas équipés pour faire ça. Il y avait Passepébiac qui marchait juste avec le sébaste dans le temps de Fishery Products. C'est abandonné. Aux îles de la Madeleine, il y avait Madelipêche qui marchait. L'usine a brûlé. Puis il y avait Rivière-au-Nord qui aurait pu traiter le sébaste. Mais ils ont vidé les équipements qu'il y avait là-dedans. Donc, même s'il y avait un tonnage de sébaste qui serait accordé, puis ça va venir parce que le stock est en explosion, il n'y a plus personne qui est équipé pour être capable de le faire. Dans les alentours, ça va relativement bien du point de vue économique.
Tellement que même si une part de notre main-d'œuvre s'en va, bien, on manque de main-d'œuvre dans la région. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait de dire qu'il nous faut aller accueillir plus de monde, aller chercher du monde. Parce que des entreprises comme LM à Gaspé, ils ont beau être là, s'ils n'ont pas les travailleurs, ils ne pourront pas investir, ils vont aller ailleurs, tout simplement. Fait qu'on a une recrudescence économique. LM Windpower à Gaspé est venu créer 300 emplois en pratiquement avec la grande des doigts. Ça n'a pas tombé du ciel, il y a eu beaucoup de travail derrière ça, mais on a 300 emplois qui ont apparu là. Puis le reste de l'économie était resté bonne. J'ai plein d'industries, de PME, mais de grosses industries qui sont en croissance. Fait qu'on a besoin de travailleurs. Fait que oui, l'hiver, bien, il y a sûrement des, il n'y a pas le choix d'avoir du chômage parce que, à cause de la saisonnalité. Mais tout le monde qui veut travailler, qui a la capacité de travailler, est capable d'avoir une job à Gaspé présentement. Fait qu'on fait face à une pénurie de main-d'œuvre, oui. Là, on est très attractif. Il y a plein de monde qui nous cogne aux portes pour venir s'installer chez nous. Mais là, le problème qu'on a, c'est la pénurie de logement. Puis la recrudescence de l'économie y est pour quelque chose. On a réussi à attirer beaucoup de jeunes familles, beaucoup de travailleurs. La preuve en est qu'on est en pénurie majeure au niveau des services de garde. Les garderies, il manque, il y a 150 noms sur les listes d'attente en garderie à Gaspé. Puis quand je dis à Gaspé, je parle du centre-ville de Gaspé uniquement. Là. On a un sérieux problème, mais il y a eu un baby-boom. Il y a eu beaucoup de nouvelles familles qui ont débarqué dans le décor. Fait qu'on sent le vieillissement de la population, oui, d'un côté, mais de l'autre côté, on a un rajeunissement d'une nouvelle frange de population. Fait qu'on est sur les deux fronts présentement. Ça va très bien. On est dans des années records. Les trois dernières années, c'est des records d'affluence touristique. L'industrie, en particulier sur la pointe de la Gaspésie, là, s'est réinventée complètement. Percé est redevenue la capitale touristique qu'on s'attendait de voir du côté de Percé. Ce qui est développé autour du géoparc en particulier, c'est magique. Ça a ramené des gens vers Percé. Gaspé en a profité. 80 millions de dollars qui a été investi en infrastructure à Forion dans les 4-5 dernières années. C'est énorme comme investissement. On profite de ces retombées-là avec des résultats phénoménaux qu'on connaît. On a des années records. En fait, on ne peut pas recevoir plus de touristes que ce qu'on reçoit présentement. L'avenir, je trouve qu'on avance toujours, surtout avec nos collaborations qu'on va faire. Fait qu'on a des collaborations, un exemple avec Parc Forion. Moi, je vais aller faire des contes et légendes dans le Parc Forion. Aussi avec le Berceau du Canada, avec Fabien Sinotte, aussi des belles collaborations là. Le Géoparc, le musée de Gaspésie, où est-ce qu'on est ici. C'est des collaborations, puis de se comprendre, puis de communiquer ensemble. Je dirais que nous contribuons à enrichir les villes avec nos enfants qui sont là-bas, mais avec l'argent qu'on envoie aussi, pas juste pour payer les études dans les universités, pour payer les appartements, pour payer l'épicerie, et ainsi de suite. Okay? Et il n'y a pas de retour du balancier. Il n'y a pas suffisamment de gens de Montréal, de Québec, ou d'ailleurs, ou de d'autres pays qui viennent chez nous, qui sont encouragés et soutenus à venir chez nous. Et on aura beau faire les plus belles promesses et les plus belles promesses d'investissement, si on n'incite pas des gens à venir s'installer, il n'y en aura plus de Gaspésie dans 200 ans. Là, à Gaspé, ici, c'est le plein emploi, là. Ouais, Bernard, ben oui, c'est très, très bien. Mais on ne peut plus faire la promotion pour du développement en Gaspésie, à Gaspé même. Pourquoi? Parce qu'on a la crise du logement. Si on veut amener des gens ici pour faire du développement, on a la crise du logement. Deuxième des choses, on a une crise de main-d'œuvre. On a une crise dans les transports. Tu sais, le train, là, moi, probablement, de mon vivant, je ne verrai plus le train rentrer en gare à Gaspé. Le chemin de fer va se développer avec le port. Un ne va pas sans l'autre.
Si tu ne développes pas ton port, tu n'auras pas de trafic pour ton chemin de fer. Si tu ne développes pas ton chemin de fer, ben, tu n'auras pas de trafic pour ton port. C'est tout simplement ça. Il faut vraiment que les deux vont appartenir au gouvernement provincial dans pas longtemps. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Le développement... Mettons que la confiance envers nos gouvernements, nos décideurs, est pas forte. Des régions, par exemple, comme Québec, comme Montréal, comme Ottawa, ils sont sur de pilotes automatiques. Quand un besoin se fait sentir, les fonctionnaires du gouvernement sont là, ils s'occupent du dossier, les gouvernements sont là, ils le font. Tandis qu'en Gaspésie, nous autres, il faut qu'on fasse la démonstration de nos besoins, puis qu'on pioche, puis qu'on travaille d'arrache-pied pour essayer d'avoir la part qui, normalement, nous reviendrait. L'avenir est radieux. On a réussi à bâtir une base économique très forte, très solide. Les défis, logement, place en garderie, attraction de la main-d'œuvre, ce qui va nous permettre de poursuivre sur la voie de la croissance. C'est facile à résumer comme ça, mais les défis sont nombreux. À travers ça, il y a les enjeux au niveau des transports, que le chemin de fer finisse d'être rénové. On va avoir des enjeux au niveau du transport maritime également. Le quai de Sandy Beach est en transfert du fédéral vers le gouvernement du Québec présentement. On a tout ça. Il y a des enjeux au niveau de la reconnaissance pour venir nous supporter nos icônes historiques, nos monuments patrimoniaux. On parlait du phare de Cap-des-Rosiers, on peut parler du berceau du Canada comme emblème historique d'envergure nationale et non pas locale. On a tous ces enjeux-là. Il y a énormément de bouchées à prendre, puis un éléphant, ça s'avale, une bouchée à la fois. Bien, on va prendre une bouchée à la fois. Là, présentement, notre focus est beaucoup sur le logement comme vecteur d'attraction de main-d'œuvre. On n'aura pas le choix. Parce que Gaspé n'a pas fini de grandir. La Gaspésie n'a pas fini de rebondir. Elle a frappé le fond du baril, mais elle n'a pas fini de rebondir. On a un tissu, je dirais, politico-socio-économique qui est en renouvellement également. Vous aurez remarqué que trois des cinq plus jeunes préfets au Québec sont en Gaspésie. On a cinq préfets en Gaspésie, là. Les plus jeunes sont en Gaspésie. Alors, quand on parle de vieillissement de la population, mais la classe politique a changé complètement. Ça amène une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de travailler ensemble. Il n'y en a pratiquement plus de guerre de clochers en Gaspésie. Quand on travaille ensemble, on est beaucoup plus fort. On dit souvent, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Bien, la Gaspésie, elle va ensemble maintenant. L'avenir, je pense, qu'il est radieux, oui, à Gaspé, mais pour l'ensemble de la Gaspésie.